Nous sommes à Toulouse, la quatrième métropole française. Très réputée pour sa qualité de vie et ses opportunités d'emploi, l'agglomération toulousaine est une destination de choix pour de nombreuses familles. Située à quelques kilomètres de la place du Capitole, Tournefeuille, troisième ville de la Haute-Garonne, est une petite ville novatrice appréciée de tous. Tournefeuille est une ville où il fait bon vivre et avec des commerces où on trouve de belles prestations, de beaux produits, de bons services. Du coup, tout ça fait un ensemble très, très convivial et très agréable. Nous, ça fait 25 ans qu'on est installé sur Tournefeuille. On a choisi Tournefeuille parce que c'est sympa. Relativement sûr. Les gens sont sympathiques. Moi, je sais que je suis à Tournefeuille. Ça fait pratiquement 10 ans que j'y suis. Je suis propriétaire et je suis vraiment bien là-bas. C'est calme. Tournefeuille est idéalement placée à proximité d'un bassin d'emploi majeur. La commune de Tournefeuille est une commune côtée de l'agglomération toulousaine. De par sa proximité avec le siège social d'Airbus Monde, mais également de ses sous-traitants, mais offre également une diversité de zones d'activité et d'emploi au sein même de la commune, notamment avec la zone du PA 1, située en limite de Colomiers et de la zone Njaka. Là aussi, effectivement, un gros pôle d'activité avec Airbus, Blagnac, bien sûr, et Bassokobo, une grande zone d'activité commerciale. Côté transport, la ville profite d'une desserte par les transports en commun. L'accès au périphérique est facile et permet de rejoindre Toulouse Centre en 20 minutes. La commune de Tournefeuille bénéficie d'une sortie directe sur la rocade arc-en-ciel qui permet de rejoindre facilement l'ensemble des différents points stratégiques de l'agglomération toulousaine. Alors on est à 5 minutes de la rocade. Il y a le bus qui passe, il y a le 65, il y a le 67 qui passe juste à côté. Donc pour aller en ville, pour les jeunes, c'est super pratique. Vous prenez la voiture, vous gardez l'axe principal et vous arrivez centre-ville de Toulouse. Sans avoir vraiment à chercher, donc ça va, c'est très facile. Vraiment une proximité très intéressante. De la petite enfance au lycée, les familles trouvent sur la ville toutes les infrastructures nécessaires. Les futurs occupants du domaine du Farm bénéficieront de l'ensemble des infrastructures scolaires. Nous retrouvons à proximité de la résidence des crèches, des écoles élémentaires, des écoles maternelles, mais également des collèges. Nous avons deux collèges, un qui est à côté de chez nous et un autre un petit peu plus haut à Paimpol. Un lycée professionnel, le lycée Françoise, qui se trouve un petit peu plus loin derrière Carrefour Market. Et plusieurs écoles primaires et maternelles. Mes enfants sont allés à ces écoles-là, très bien, très chouette. Rugby, foot, athlétisme, avec près de 20 sites et équipements sportifs, Tournefeuille est une ville qui bouge. Les amateurs d'activités de plein air trouvent leur bonheur grâce aux 300 hectares d'espaces naturels préservés. On retrouve sur la commune la zone verte de la Ramée, qui est un espace paysager ouvert avec en son centre un lac, mais également un golf 9 trous. Ce qui est très chouette à Tournefeuille, que j'ai toujours apprécié, surtout quand on a des enfants, et même nous, si on a envie de faire du vélo, beaucoup de pistes cyclables qui vont jusqu'à la Ramée, où là nous avons le lac, il y a plein de choses à la Ramée. Il y a la coulée verte, c'est le touche entre Tournefeuille et Plaisance, ça aussi c'est, franchement c'est super sympa. Moi perso j'y vais courir, ça permet d'être à la ville mais on a l'impression d'être ailleurs, donc ça c'est un bon point. Doté de deux salles de spectacle et d'un cinéma, Tournefeuille revendique une forte identité culturelle. C'est dans cet environnement dynamique et accueillant que vient s'implanter la nouvelle résidence du groupe Caillot, le domaine du Phare. Elle se situe au sein d'un quartier calme et de qualité, avec toutes les commodités sur place. Tout proche de la résidence, nous retrouvons l'ensemble des commerces de proximité nécessaires à la vie de tous les jours. Notamment avec un Carrefour Market situé en face de la future résidence, une pharmacie, boulangerie, mais également l'ensemble des petits services de proximité. Ici, on a vraiment une clientèle très, très agréable du fait qu'ils soient dans un cadre de vie agréable et avec des commerces de proximité. C'est-à-dire qu'on a de la pâtisserie, des boulangers, des charcutiers, de très bons primeurs juste à côté de l'école là-bas. On a des coiffeurs, nous on est dans une petite zone, ça c'est sympathique quand même. Composé de logements collectifs allant du studio au T4, la résidence Le Domaine du Phare offre des prestations tout confort.
Tous les appartements disposent d'un espace privatif intérieur et extérieur avec jardin à usage privatif pour certains rez-de-chaussée. Quant aux cuisines et salles de bain, elles sont équipées et les placards aménagés. Les parties communes sont conçues avec finesse et le sous-sol accueille de nombreuses places de stationnement commandées ainsi que des locaux deux roues et fibre optique. Le domaine du phare sera un domaine entièrement sécurisé et clôturé. La résidence répondra à la norme RT 2012, réglementation thermique 2012. Pour cela, il sera mis en œuvre des chaudières individuelles gaz dans chacun des logements. D'une architecture contemporaine, le domaine du phare fait la part belle aux espaces verts. Le projet a été conceptualisé avec notre architecte et le concours de la mairie afin d'offrir un cadre vert et agréable aux futurs résidents. L'architecture se veut résolument moderne avec la mise en œuvre de toitures terrasses et se déclinera sur 4 étages. L'architecte a joué le contraste au niveau des façades avec la couleur blanche dominante en fond sur lequel viennent s'incruster des cubes qui seront par la suite paysagés par la mise en œuvre d'un rideau végétal. Un soin tout particulier a été apporté au traitement des espaces verts puisque nous retrouverons également un espace vert d'agrément pour les futurs occupants. Le planning prévisionnel est d'ores et déjà établi. Concernant le planning, le permis de construire est aujourd'hui purgé de tout recours. Le démarrage des travaux est prévu en fin d'année 2016 pour une livraison au deuxième trimestre 2018.